La photographie n'est pas un amas de pixels ou une émulsion. Une photographie, c'est un voyage dans le temps. Un souvenir, une mémoire, une information, un savoir. Une invention, un choix, un instant volé, un moment à la sauvette, tableau. Une photographie, c'est une vérité. Je ne crois pas pouvoir vous enseigner quoi que ce soit. Si vous regardez cette vidéo, si vous m'écoutez aujourd'hui, c'est déjà que vous avez envie et c'est ça le signe le plus encourageant. Vous avez envie. Une fois que vous aurez compris les trois réglages que vous pourrez utiliser sur un appareil photo, j'espère que vous réaliserez que l'appareil n'a aucune importance et que vous commencerez, dès que possible, à travailler votre composition, c'est-à-dire que vous travaillerez votre regard. La photographie vous apprendra à voir la lumière, le mouvement, les détails, les lignes, les yeux, les mains. La photographie vous apprendra à anticiper une scène. Vous verrez la photo avant qu'elle n'arrive. Ce micro-voyage dans le temps est très satisfaisant, mais il s'accompagne d'un bonheur encore plus grand. Vous verrez des photos partout. Un contraste étonnant, une douceur du matin, un geste que vous ne connaissiez pas, une matière que vous pourrez figer ou filer, un petit bout de tissu sur le parvis d'une église, une perspective qui s'accélère quand vous serez à genoux, une architecture étonnante, un œil âgé et vif, un sourire en coin de résignation, une manipulation pour lever les voiles. Tous ces moments appartiennent. Mais si vous êtes photographe, vous voudrez aussi montrer vos photos. Choisissez ce que vous montrez avec exigence. Soyez dur avec vous-même. On ne peut pas vraiment être satisfait de son travail si on veut vraiment progresser. 60%, ça me paraît bien. Une grande zone de progression et juste au-dessus de la moyenne pour pouvoir montrer ses photos. Ne faites confiance à personne concernant vos photos. Les seuls commentaires que vous recevrez de vos amis, de votre famille, seront toujours positifs. On ne sait jamais à quel point on est un mauvais photographe tant qu'on n'a pas progressé. Faire une belle photo, c'est facile. Répéter est beaucoup plus difficile. Chaque photo a une histoire et chaque photo est une histoire. Ne négligez pas vos légendes. Aucune photo n'existe sans légende. Vous serez beaucoup plus souvent l'écrivain d'une photo déjà faite. Nous sommes trop souvent des paresseux de la légende. Vous voulez raconter une histoire, il vous faudra dire où et qui, mais aussi quand et comment, et surtout, surtout, pourquoi. Pourquoi avez-vous pris cette photo? Pourquoi est-ce qu'elle serait importante pour quelqu'un d'autre que vous? Pourquoi est-ce que vous montrez cette photo? Vous me permettez cette familiarité, je vais vous tutoyer. Il n'y a vraiment qu'un seul conseil que tu devrais entendre. Vas-y, va faire cette photo qui t'obsède. Va chercher un instant sans importance dans la rue en bas de chez toi. Va dans une nouvelle direction chaque jour. Va voir avec un œil nouveau ce qui t'est familier. Va rencontrer ces inconnus dans la rue, ils sont toujours plus amicaux que ce que tu imagines. Va demander la permission, mais seulement après avoir pris la photo. Va prendre ces 100 000 photos qui te permettront d'oublier la technique. Va raconter cette histoire que toi seul connais. Va trouver une vérité, ta vérité, sur ce que tu montres. Si tu n'es pas là, tu ne verras pas. C'est aussi simple que ça. Sois là. Sors de chez toi. Sois présent. Le seul moyen de progresser, c'est d'y aller. Vas-y.